par la situation qu'il a. Et nous même matin, nous lançons un vibrant appel à pays, femmes et garçons. Nous entendons notre radio gagné, qui est Aristide, ancien président Jean-Bertrand Aristide, parler tout sous question bandit. Alors ce que tout le monde connaît, Jean-Bertrand Aristide, c'est papa bandit. C'est ça Aristide te planté aujourd'hui à la récolte. Aristide pas qu'à faire nous comprendre que aujourd'hui, lorsque tout le monde te connaît, comment Amara, comment l'armée rouge, l'armée Tikuto, l'armée Djedoumen, l'armée Badad, l'armée Barricade, l'armée Mildred Douyo, l'armée Aristide, comment ils tout prennent naissance? Et puis aujourd'hui, par rapport à faiblesse l'État, qui pas prend les dispositions nécessaires pour te rétablir, pour te racher, plante ça qui a ici te semer dans tout pays, c'est yo qui vient à grandir. L'autre petit monde 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ou te retire l'école, ou rentre, yo te dans la famille, c'est la vie, ou rentre dans sa les chimères, ou mette zam dans yo, là yo 15, 20 ans, 30 ans, yo déjà, pour moi yo déjà pourri avec question l'argent, yo pas qu'à l'autre bagaille qui est zenglendo, qui est grand bandit. Eh bien, je dis à, moi viens demander nous, peuple haïtien, nous tous militaires, combattants, citoyens, ça cap coûte là, ça cap cocoté là, c'est pas contre président Jovenel seulement, mais c'est contre pays, c'est contre la patrie, c'est contre maman nous, c'est contre papa nous, c'est contre frère nous. Policiers dans tous les pays du monde, les policiers victimes, ils entrent dans la base, ils renforcent moralement, ils vengent, ils mettent l'autre côté. C'est toi la police, c'est vrai nous victimes. Au contraire, quatre policiers ça a mouru, quatre policiers ça ils assassiné lâchement. Doit tourner sérum, doit tourner gasoline, doit tourner cartouche, doit tourner munitions pour renforcer reste police secrète pour marcher mettre l'ordre dans tout ghetto ça yo, parce que comprenez bien ça qui a passé dans ghetto yo. Moi redis nous encore, c'est pas des monde qui ont des problèmes sociaux seulement, social là 20-30%, mais 60-70% c'est des mais politiques qui maningasse yo qui sont capables empêcher le pouvoir atteindre un objectif qui a un caractère attaque au système. Je finis pour me dire encore, peuple haïtien, je dis appliquer jamais. C'est pour nous camper sous deux pieds fermes, nous, pour nous répondre. Ça qu'a planifié, ça qu'a planifié, ça nous est assez pour qu'on bagaille là ça. Ça ou est qu'a concocté, c'est pour qu'on bagaille là ça. Tout militant ou même qui s'est allié, partisan, c'est partisan PHTK. Ou même qui croit dans la droiture, ou même qui croit dans la vérité, ça qu'a fait dans une série de stations de médias, c'est pas vrai. C'est des intérêts purement oligarchiques qui ont défendu. Et c'est ça qui fait, ils ont fait tout ça, ils sont capables de bien de monde, ils veulent éteindre politiquement, parce que le message par nous, ils ont parlé dans ce sens. Je finis pour me dire, nous, l'autre fois encore, la police nationale, où c'est unique institution, nos batailles, leur perdu aux soldats. Ou pas perdu la guerre. L'on perdu un soldat, ou pas perdu le combat. L'on perdu un soldat, c'est renforcer ou renforcer. Je ne peux pas comprendre comment pour des policiers, soit dit l'après mettre un uniforme, l'après démissionner. Non! Au contraire, je dis, nous ne pouvons pas besoin de toi l'autre barbecue. Nous sommes d'accord avec vous? Parce que barbecue, c'est dans ça barbecue que tu prends la gravine. Nous entendons les gens de Capriolet aujourd'hui pour les policiers. C'est Lougaou qui a mangé petit. Nous, premier monde qui est venu, c'est Lougaou. Nous entendons Pierre Espérance. Moi, discours Pierre Espérance. Son discours fait pour justifier ce qui passé la saline dans le village de Dieu. En comprenant la police, tape gaz, qu'on n'a pas empêché les gens de manifester. Et bien, c'est pour qu'on a policier tourner à jeune peuple. Ça veut dire que c'est pour la police. Elle n'a boulé pour façon pour être capable de sympathie peuple. Bah quoi. La police, là, on ne met pas de chercher sympathie parce que c'est une force qu'il a pour rétablir l'autorité de l'État, pour mettre l'ordre, pour dans des ordres. Ça veut dire, me demander encore, monsieur Swat, BLTS, BRI, il y a assez d'unités. Police qui l'a qu'à mettre l'ordre dans ça. Mes amis, il n'est pas normal. Pour nous gagner blindé, je ne pas dire chat. Pour nous gagner blindé dans mes bandits. Et puis, pas des opérations musclées traite pour récupérer les blindés. Avec dit, je ne suis pas capable. État-major de la police, ça, pas capable. C'est pour démissionner, pour gagner des gens, pour faire appel à des hommes et des femmes qui ont des compétences, qui ont des structures, qui ont des gens là. Parce que moi, je songe, l'élite Mandelil, tu as préparé pour l'envahir. Village de Dieu. C'est pas tout ça qui t'a rentré. Ça le fait qui fait mouvement échoué.
nous réunis, les pan réunis avec toute organisation de Wazimeo, Pierre Espérance, Marionel, tout le monde ça. C'est eux qui disent les pan, mais où pour faire, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait. Les pan réunis avec Wazimeo d'abord. Et puis, ils prennent ça, les pan disent, ils prennent le faire, ils prennent la rue. Ils disent, mais les pan la planifié pour la touiller mon dans le village. Alors ce que, ça fait les pan d'inviter eux, son façon pour Wazimeo te gagner mot parle, pour démontrer Wazimeo que ça va arrêter. C'est que tu as 300 militaires, anciens militaires qui fait infanterie, qui fait corridor, qui fait tactique, qui t'a pris entrer dans le village. Et si demain matin, le président Jovenel Moïse fait appel à 300 militaires, n'a pas entré dans le village. Et n'a pas arrêté Bandia. N'a pris Emmanuel. N'a pris comment il est isolant. Il est bien libre avec le premier ministre, il y a une bonne relation, c'est normal. Mais si je dis à président Jovenel Moïse fait appel à 300 cocobéo et les militaires démobilisés, il y a un train dans le village et c'est eux qui me disent ça. Plateau central militaire, si l'État fait appel avec eux, événement il a créé comme si ni village de Djéa, bandit pas qu'à ni. Il faut que l'État est venu. Et c'est ça que me dit tout le monde, gardez sans fan. La police, cherchez moyens, cherchez alliance, cherchez. Nous n'avons pas besoin de connaître comment la police rentre dans le village. Nous n'avons pas besoin de connaître qui est capable avec la police. Cependant, le problème de la ville, problème de village là, il faut qu'il résoudre. Et question sans policiers qui coulent, il faut qu'il y ait un compte. Messieurs, dames, dans tous les pays du monde, dans une bataille, il y a des soldats qui mourent, il y a un droit à cadavre soldat. Il y a un droit, l'État a un droit à cadavre policier qui mourent dans la ville. En dedans. Bon, il n'y a pas qu'à décider lui-même pour l'enterrer, mon yo. Et puis, je dis à premier ministre en fonction, directeur général en fonction, ministre justice en fonction, ministre. Non! Faut une explication, faut des opérations qui menaient pour nous connaître cadavre policier, nous, comment nous avons. C'est peut-être ça matin, hein? Nous baillons conférence hein, pour nous dire, tout policier, c'est pas le moment, nous des gens. Cap calonné la police qui t'a tiré coup de poche, tiré coup tel monotov, bat policier, je dis à ces talaï, cap propose, avait dit c'est des loups-garous qui finissent de manger petit tout, et puis yo même encore, yo prend place crio. Yo même qui te crié en même. Yo finissent de manger petit, pour même bon doigt pour me crier, yo prend place moi puis yo crié. Avait dit, moi pense, police ça c'est police nous, tout qui là, faut que nous même dans les médias ou dans la radio, nous gonjons, nous montrer policier, c'est pas parce que vous perdez un soldat, ou perdez un agent, deux agents, trois agents, et puis pour bailler. Bandit les gains. Bon, c'est objectif là, c'est à chercher confiance population. Hein? Parce que confiance population, hein? La police a venu, c'est quand ils entendent, ils rentrent dans la ville, ils rentrent dans le village, ils rentrent dans toute base côté qui gang, qui prend pays en otage. À partir de là, population prend confiance dans la police là. Mais c'est pas la guerre uniformataire et puis à crier, à rejoindre. Non, c'est pas meilleure stratégie. Meilleure stratégie, ou perdre une bataille, ou pas perdre la guerre, c'est à retourner, rentrer dans la base, renforcer. Et puis, pour nous joindre une solution à la situation de sécurité que le pays a fait face à. Merci. Nous sommes les policiers qui ont été traumatisés par rapport à ça. Nous avons attendu, vous avez vous voyez, comme quoi il y a un traumatisme. Et matin, je voulais présenter l'objectif de la conférence d'abord, présenter sympathie et condoléances à la famille policiers qui sont victimes. En bas mais ça nous relie terroristes par nous terroristes locaux terroristes la caille nous bandits armés que nous connaît comment situation extrêmement difficile pour famille nous présenter condoléances nous à toute famille policière et à institution policière matin ça fait nous rencontrer la presse d'abord pour nous dire avec monsieur Jude Joseph. Et il y a un lago caché qui a fait. Il y a une montée des sangs. Il y a un soi-disant dit lettre démission. Je ne sais pas quoi je dis à M. Jout Apton pour demander la démission. Mais la morale demande pour lui-même lui remettre démission par le président. Pour le président lui-même capable en mesure de jouer nos collaborateurs collaborer avec lui. Et ça que fait, moi te dis ça, nous rappelons-nous dans la dernière conférence que nous avons fait. Moi te dis, M. Jout, à travers plusieurs rencontres alliés, partisans, nous travaillons avec eux. Il te dit, si Jovenel contraint de démissionner, l'élève démissionné, elle a quitté une cigarette dans deux têtes.
non mais président Jovenel, c'est moi qui te dis ça a environ 2 mois depuis que je fais déclaration ça. Et là nous regardons tout mouvement qu'a fait là. Voyez moun, voyez policiers dans le village de Dieu sans prendre les dispositions nécessaires. Puis si on entre puis on sortit, c'est des manœuvres politiques. Je voulais nous comprendre et je voulais pays à comprendre ça. Dans tous les pays du monde, un premier ministre dans une situation comme ça, tout le monde qui te fait chaîne de planification, opération ça, eh bien, de fait, il n'y a pas même temps que la société a demandé de démissionner, mais la moralité, l'arrivée dans une situation ou incompétent, ou incapable, ou bon choix, ou faire ou faire ça relé, ou tirer la référence. Je me rappelle le premier ministre Jouté Dion Bagay. Et lorsque l'État a voué l'Ikman de l'Ilali, il te dit, moi-même comme premier ministre, depuis mon poste, je suis ingénieur, si je fais des choses, je fais le bien. Et depuis que je ne fais pas, je quitte ça. Je dis à l'éclair, le premier ministre doit être bémol. Monsieur Jout, il est incapable, il est incompétent. Et ambitieux pour pouvoir faire, même lorsqu'il a joué le monde métavel, il ne vient pas capable émettre. Président Jovenel, pour l'organiser le référendum à quelle élection, avec M. Jout, il n'est pas capable. Pour qui ça? Parce que grand ensemble secteur qui est dans le Sénat, qui a intérêt, qui n'est pas d'accord pour le référendum dans fait. Et c'est sous base ça, il y a un contrôle institution police, il y a un contrôle ensemble d'institutions, et bien il y a utilisé propre institution contre le président Jovenel. Je dis à président Jovenel à goumer avec l'État. C'est l'État qui en face président Jovenel par rapport à route la prend. Ce n'est pas des trois mouns qui ont bandit. Non, actuellement, pendant que je parle avec nous, c'est des mouns même qui sont dans l'État, qui ont concocté des complots par rapport avec les gens qui ont intérêt dans le système. On est qui sénateur de la République, coûtez-nous 165 000 dollars par mois. Alors que le sénateur n'a pas de compétences. Tout le monde, tout le rapport dit, notre sénateur là, il y a 19. C'est des repris de justice, cas de jacquet, volé, assassin. Je dis à l'effet que le référendum pour retirer le Sénat, ça veut dire tout ceux qui tapent juif des Sénats, ils ont tout net rentré dans l'État, puis ils ont mis le président Jovenel en déroute. Et c'est ça qui explique, je dis à nous, une manœuvre qu'a fait là. En aucun cas, ils ont commando SWAT, commando Kalpan Oussama Ben Laden. Côté LTE en Afghanistan, c'était 12 nègres. En aucun cas, yon commando, soit pas loin, qui a training, qui a structure, qui a formation, qui a stratégie. Si ce n'est pas un bagage, yon prend, yon planifié pour yon, nèg yon pas tap 4 ou 2 là pour yon sorti, pour nèg yon mourir, j'ai mourir. Son façon pour yon rendre institution police là, puisque yon bataille kap mené là, yon rendre côté institution police là, ap supporte président Jovenel, n'a pas quitté nèg yon faire des choukai, n'a pas quitté yon brûlé, n'a pas quitté yon krasé, eh bien yon dit, faut yon krasé la police là, nan men président Jovenel, et depuis yon krasé la police là, nan men président Jovenel, eh bien Jovenel pap kakembe, li pap ka faire référendum pour la faire élection.